Bonsoir, Georges. Bonsoir, Jean-François. Vraiment content de te retrouver. Tu as eu 2 semaines de temps de repos avant de revenir sur Théovox Actualité, oui, après oui. La marche pour la vie, qui était un franc succès. Encore merci pour l'initiative d'avoir parti ça, démarré ça cette année après près de 30 ans d'absence au Québec. Je pense que ça l'a fait trembler, ébranler les colonnes du Temple de l'avortement du Québec. Donc, on est vraiment content d'avoir... Merci d'avoir prêté main forte. Toute l'équipe de Théovox... Vous nous avez aidé énormément dans cette marche. Bien, ça a été naturel, okay. Naturel de défendre la vie avec vous. Georges, après avoir rendu illégale les thérapies de conversion au Canada, rendant celle-ci sujette à 5 ans d'emprisonnement, le gouvernement libéral de Justin Trudeau s'illustre encore une fois dans la démesure LGBT après avoir introduit un projet de loi qu'on appelle le projet de loi 404 qui non seulement se moque de l'enseignement chrétien sur le mariage et la famille, mais qui propose que le 7 janvier devienne une journée nationale annuelle pour sensibiliser à la soi-disant thérapie de conversion. Tu penses quoi de la mise en place d'une journée nationale annuelle de sensibilisation à la soi-disant thérapie de conversion? Bon, c'est une fuite vers l'avant. On continue à taper sur le même clou et je pense que c'est aussi avec une élection à l'horizon, une élection fédérale. On est en train de rassurer sa clientèle de base, donc la communauté LGBTQ2S+. C'est un élément électoraliste. Ils ont, surtout dans les grands centres urbains, des clientèles qu'ils veulent séduire pour la prochaine élection. Et donc, ça fait partie de cela, je crois. Ouais. Il y a aussi l'élément de ne pas permettre que la loi C4, donc cette loi qui interdit les thérapies de conversion, tombe dans l'oubli, devient lettre morte, parce que souvent... Parfois, des lois tombent dans l'oubli. Et là, on veut dire que non, n'oubliez pas ça, ce projet de loi que nous avons présenté, qui a passé, qui interdit, qui donne des peines de 5 ans à des gens qui veulent peut-être convaincre un collègue ou un ami qu'il devrait peut-être respecter le corps que Dieu lui a donné et qu'il ne devrait pas agir contre la nature. Ah non, ça pourrait être admissible à une peine de 5 ans de prison. Il ne faut pas oublier ça. Et donc, on a quelque chose, une visée d'ingénierie sociale à faire là-dessus. Et donc, ça a un rôle que nous voulons que ce projet de loi joue. Alors, on a ce nouveau projet de loi pour rappeler aux gens que cette interdiction de la thérapie de conversion existe et qu'il faut s'en souvenir à chaque année, le 7 janvier, une commémoration. Donc, c'est ce que, selon toi, le gouvernement essaie de produire dans l'implantation d'une journée de sensibilisation à la soi-disant thérapie de conversion. Est-ce qu'il y a d'autres choses que le gouvernement voudrait tenter de faire à travers l'implantation d'une telle journée? C'est que l'Occident veut vraiment entériner cette idée que chaque personne est un mini-dieu. C'est vraiment ça, c'est de dire, regardez, nous... notre projet de société, c'est de faire l'homme un dieu. Ce n'est plus la religion de l'homme qui se fait dieu, c'est de l'homme, de Dieu qui se fait homme, c'est le christianisme. C'est l'inverse, c'est la religion de l'homme qui se fait dieu, qui se divinise par lui-même. Et c'est cela que l'Occident maintenant est déterminé à faire, envers et contre tous. Et c'est une fuite vers l'avant. Et ça, ce projet de loi-là représente cela. Le christianisme, par exemple, croit au péché originel et que le Christ est venu nous guérir, nous sortir de cela, nous guérir dans nos péchés, que ce soit des tendances au vol, des tendances envers la violence, le meurtre, toute cette haine qui nous habite, toutes ces choses qui nous font dévier de ce que nous sommes naturellement. Bien, le christianisme vise à guérir ça. Le christianisme, en soi, est une thérapie de conversion, de convertir l'homme qui est déchu, qui veut faire à sa guise, qui veut s'accaparer de tout. Bien, il convertit l'homme de cela vers... Un homme nouveau. L'homme nouveau, l'homme divinisé par la grâce. Alors là, l'autre narratif, le contre-narratif à cela, c'est celui de Satan, c'est de dire... On n'a pas besoin de Dieu pour se diviniser.
On se divise nous-mêmes par nos propres forces naturelles. C'est en fait la religion qui nous empêche de nous épanouir, etc. Et donc, nous allons interdire cette thérapie de conversion du christianisme chrétienne. Nous allons affirmer que seul l'épanouissement qui vient de notre nature elle-même est acceptable. Et nous allons ne pas permettre que les gens puissent, disons, s'ils sont homosexuels, de revenir à l'hétérosexualité, ou s'ils sont transgenres, de revenir à leur genre de naissance. Mm-hmm. Alors, on va permettre, dans ce projet de loi de C4, ils permettent et encouragent même des gens qui pensent être transgenres d'affirmer leur transgenreisme. C'est quoi les conséquences sur les communautés religieuses, cette journée de sensibilisation-là? C'est que ça fait en sorte que tout organisme, tout individu qui prône, je dirais, les valeurs traditionnelles, mm-hmm. qui prône l'idée que Christ est mort pour nos péchés et la conversion est nécessaire pour être reconnaissant envers Dieu de ses grâces. Alors, tout cela est rendu pénalisé implicitement et même explicitement si on essaie, dans le cas d'une personne homosexuelle, de convaincre cette personne qu'elle devrait suivre la nature, et c'est-à-dire comme Dieu l'a voulu, homme et femme. Et donc, tout cela est rendu douteux au Canada. Alors, aucune question d'enseigner ce que la Bible dit sur l'homme et la femme dans des écoles. Que les parents le fassent à la maison est rendu douteux, et peut-être on peut soupçonner ces parents-là d'être de mauvais parents. Mm. Ça met à risque le fait de peut-être que la DPJ va venir à se saisir du dossier de ces parents-là, de tels parents qui osent enseigner les notions bibliques d'hommes et de femmes, et du fait que l'homosexualité est contre nature. Ce genre de choses-là sera vu comme étant potentiellement criminel, potentiellement aussi à rendre le parent non apte à être parent. Ouais. Alors, tout ça fait en sorte que les valeurs traditionnelles, on ne parle même plus du christianisme, on peut parler de toutes les religions, je dirais, fondées sur la nature humaine, monothéistes, est traditionnel. On peut même parler de l'hindouisme traditionnel, du confucianisme, de l'islam. Ce genre de religion-là, par la bande, se voit suspect d'être non conforme à la modernité libérale véhiculée par ce genre de projet de loi. Et à chaque année, on va se dire... Regardez, dans les libellés du projet de loi, ça le dit en toutes lettres, les croyances traditionnelles sont fondées sur des mythes et des stéréotypes concernant l'orientation sexuelle, l'identité de genre et l'expression de genre, et les propagent. Alors, ce projet de loi est pour dire que nous condamnons ces mythes et ces stéréotypes. Ce ne sont pas des mythes selon ces religions. Et on s'entend pour la chrétienne, qui est la vraie, ce n'est pas un mythe qui est complètement arbitraire. C'est fondé sur la révélation, c'est fondé sur l'histoire, les évangiles, les documents historiques, etc. Ouais. Et donc, mais d'un revers de la main, dans la loi canadienne, on dit que ce sont des mythes qui sont imposés de façon complètement arbitraire sur des gens, et ça blesse. Et ensuite, il y a toute la question scientifique des thérapies de la conversion. Est-ce que ce sont effectivement des thérapies dangereuses? Alors, il y a toujours des mauvais thérapeutes dans chaque domaine. La thérapie électrochoc qu'on utilisait dans les années 60, ce n'était pas seulement pour la thérapie de conversion. Il y a des mauvais thérapeutes dans la thérapie de couple. Il y avait des thérapies pour les gens qui étaient obèses. On les donnait des électrochocs pour les encourager à ne plus manger autant. Alors,
C'était une certaine mode dans une certaine période de temps de donner des électrochocs à tout le monde. C'est que... Alors, c'est pas ça maintenant, la thérapie de la conversion. Cette journée-là se veut un rappel de cette loi-là qui a passé pour continuer à faire réaliser aux gens que la conséquence à basculer vers les thérapies de conversion, c'est 5 ans d'emprisonnement. Ben oui, c'est un rappel constant que c'est un danger que vous vous mettez à l'écart de la société et en plus, vous risquez la prison, vous risquez de perdre vos enfants et vous risquez de perdre votre crédibilité sociétale en continuant à affirmer ce que la Bible dit sur l'homme et la femme et sur le péché de la sodomie. Oui, alors c'est ça. Donc, c'est une façon de marginaliser les chrétiens et les autres croyants. Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour en parler ce soir. Ça fait plaisir. Merci, Georges. Voyez, Georges l'a dit. Et tantôt, j'ai souri quand il parlait de LGBTQ2S++. Ça m'a fait sourire parce que j'ai un bon ami à moi que vous connaissez. Il vient régulièrement ici sur les ondes de Théo Vox Sexualité. Pour ne pas le nommer, c'est Richard Descarrières. À un moment donné, j'ai utilisé la terminologie LGBTQ+. Et Richard, avec son franc-parler, m'a dit non, arrête de dire ça, Jean-François, parce qu'il dit quand tu te bats en utilisant ces lettres-là, LGBTQ+, tu donnes raison que ce type d'individu existe, alors que LGBTQ+, n'existe pas. La racine de tout ça, c'est le lobby homosexuel. Utilisons les vrais termes. Trop souvent, on utilise des mots fabriqués de toutes pièces par notre société qui veut nous pousser un narratif dans le fond de la gorge, alors que les lettres LGBTQ n'existent pas. Il y a deux genres, Georges le dit, homme ou femme. Queer, trans et tout ça, ce ne sont que la création d'humaines, de stéréotypes, d'un narratif dominant dans lequel on veut enfoncer ça dans la gorge de la société. C'est ça la réalité, là. Mythes et stéréotypes, t'es pas du côté de la Bible, mes amis. Le mythe et les stéréotypes est du côté du lobby homosexuel qui nous rentre dans la gorge ces stéréotypes-là de LGBTQ+. Et quand on utilise ces terminologies-là, à quelque part, c'est comme si on acquiesçait à ce que cela existe alors que cela n'existe pas.